le regroupement Canton s'active sort des rangs du supermarché pour mettre la saine alimentation sur la place publique. Depuis 2010, il opère un marché public à Stoneham qui permet d'augmenter l'accessibilité à une offre alimentaire saine et locale. Contrairement aux autres marchés publics qui se déroulent les week-ends, donc le samedi ou le dimanche, à Stoneham, la journée du marché, c'est le mercredi. Samedi puis dimanche, d'abord, on était déjà occupés. La majorité des producteurs sont déjà occupés dans d'autres marchés. Puis moi, je leur ai dit, à Stoneham, la particularité qu'il y a, j'ai dit, le monde travaille, pour la plupart du monde de Stoneham, ça travaille à l'extérieur. Si on commence à 3 heures, puis on arrête à 19 heures, ça permet aux gens d'être sur la fin du travail, puis tout ça. Fait que l'horaire est du mercredi de 15 heures à 19 heures. Je leur ai dit que juste un kiosque au bord du chemin, les gens n'arrêteraient pas pour un seul kiosque. Ça serait mieux d'avoir un genre de mini-marché, avoir 7-8 kiosques, des différents produits variés. Ça amènerait les gens. Bien, avoir un endroit qui est visible, de même, les gens n'ont pas à se déplacer. Ils passent. S'ils ont oublié le marché, ils voient les tentes. On est là, on est visible. Donc ça va attirer les gens. Les citoyens nous mentionnaient quelle bonne idée de faire un marché en plein milieu de la semaine. On vient faire nos emplettes ici, puis on va compléter avec notre grosse épicerie là, dans les épiceries grande surface. Ça prend là, la collaboration des partenaires. C'est sûr que le municipal est essentiel. On a aménagé le sol, on a aménagé l'espace, le pavage, on a refait la rue pour être capable de recevoir les citoyens, en plus de toute la publicité et la promotion qu'on met dans le journal. Autrefois, nous avions les conversations de perron d'église. Bien, c'est rendu ici au marché. C'est rendu un lieu social. Les gens viennent échanger. Il y a aussi le facteur d'achat local. Donc, nos légumes ne viennent pas des États-Unis. Les fraises sont bonnes, sont goûteuses. Puis les gens sont fiers d'encourager nos producteurs. C'est vraiment notre rituel. Toutes les semaines, je viens avec les enfants. C'est agréable d'encourager les producteurs du coin puis de connaître aussi leurs nouveaux produits. Des fois, les citoyens, on donne des légumes que les citoyens ne connaissent pas pantoute. On y explique c'est quoi, on va y dire c'est quoi une recette, puis tout ça, ce qu'il n'y a pas dans les supermarchés. On va dire aux gens, bien goûtez, c'est des produits frais, c'est des produits qui normalement sont recueillis la journée même. On explique ça aux gens, puis l'échange est direct avec les citoyens, et ça, c'est numéro un. Cette année, on a décidé d'innover, puis on voulait trouver un moyen pour inclure le mode de vie physiquement actif. Donc, on a demandé à la municipalité de nous fournir des racks à vélo. Et puis, il y a un corridor multifonction qui vient d'être érigé et qui se rend jusqu'au marché public. On a le kiosque Canton s'active aussi, qui fait beaucoup de promotions en saine alimentation. Et on prête aussi des paniers que les gens peuvent fixer sur leur vélo. Dans notre échelle, à nous, en tout cas au niveau du conseil actuellement, la valeur est très importante pour les saines habitudes de vie de nos citoyens. Alors, on y va dans ce sens-là et on va continuer. On encourage les municipalités à aller dans ce sens-là également. Cette initiative démontre qu'en travaillant sur les environnements favorables, un marché public comme celui-ci peut avoir une influence positive sur l'alimentation et la pratique d'activités physiques.